Donc ça, c'est le tableau. Alors, la licorne, moi, je veux bien, mais c'est un... c'est pas une licorne, ça. Oh, purée, attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. C'est bon. Fais un petit peu de repérage, hein, et puis je vais me gaver un petit peu. Parce que de toute façon, après, c'est juste là. La micro caméra, regardez. Et je sais que c'est vers 2 heures qu'il va. Fais attention. Ouais. Bon, il est verrouillé, je le sais. Ok. Le reste. Ouais. On la retente. Alors, normalement, c'est pas le même circuit. Non, c'est pas le même circuit. Non, 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 c'est pas ça. Attendez. Pourquoi est-ce qu'il est allé dans sa chambre? Il est... Bah oui. Donc c'est cette chambre-là, ok. Donc, pour le moment, je vais casser son truc. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il va. C'est-à-dire qu'il va le déceler par contre. Donc, on va attendre qu'il aille dans sa chambre. Ou alors, attendez, j'ai 2 minutes. Faut que je me trouve une planque. Faut juste que je me trouve une autre planque dans le garage. Ça a l'air important, ça. J'ai 1 minute pour le faire. Il n'y a pas, il n'y avait pas le truc de...
Il a pas capté pour son. Allez. La caméra, la caméra, la caméra, la caméra. C'est bon, de toute façon, il dort. Je peux regarder rapidement. Faut les deux, trois trucs. Histoire de me remplir un peu les fouilles. Je vais pas m'amuser à ouvrir les tiroirs pour le moment. Hein. J'accomplis ma mission. Hein. Je vais juste remplir. Alors, par contre, je sais qu'il dort que quelques heures. Faut vraiment que je fasse vite. Bon, allez, de toute façon, voilà, je suis quasiment plein. Je prends un truc dans le hall d'entrée, puis je me casse, quoi. Non, même pas la peine. Me casse. Je me casse à pied. Et j'ai piqué une horloge qui avait l'air d'avoir de la valeur. J'ai gagné deux niveaux là? Eh ben voilà! Bah, arbre complété. Maintenant, voilà, tous les points qu'il y aura supplémentaires, bah, ce sera éventuellement peut-être pour un arbre additionnel pour les prochaines mises à jour. Ce qui sera cool. Je vais juste Ah non, j'ai pas choisi son téléphone résultat mais oui j'avais choisi un téléphone avant qu'il me grille puis vu qu'il m'a grillé ben voilà c'est mort. Par contre il y avait des montres et tout, alors ça par contre le coup du coffre juste avant qu'il ça. Ça, à mon avis. Oui, il faut que j'aille voir sur le Black Bay pour l'horloge. Le Dokkan, on a complété l'arbre. Ça, c'est plutôt cool. Oh, d'accord, j'ai. Alors, j'ai une Asian Cougar et une Family MKV à voler, visiblement. Voilà. Ah, bah, il y a deux montres en argent. Donc, ça, ok. T'as 3600 et 3000. Ça vaut le coup. Ok, j'ai des lampes comme ça. Ça, il va falloir que je regarde. Il y a une montre en or quelque part aussi. Il y a les antiquités. Voilà. Il y a l'horloge ancienne. 3200 supplémentaires. Et ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Est-ce qu'on irait voler la voiture? J'ai déjà 15 000. J'étais à 1 000 et je suis déjà remonté à 15 000. Ce yo-yo. Je vais acheter les informations de butin et on va terminer la petite rue.
Parce que là, c'est bon, quoi. Le pognon, c'est plus. Enfin. C'est pas que c'est plus un problème, parce qu'en soi, on. C'est quoi les prochains trucs qu'il faut? What? 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 Attendez, attendez, c'est pour des mises à jour. Ok. J'avais pas vu ça. J'avais pas vu qu'il y avait une barre de scrolling. En fait, ça, c'est qu'une partie de l'arbre. Et en fait, il y a encore toute cette partie-là à débloquer. Sauf qu'il faut être niveau 23, voilà. 23, 23, 23, 23, donc voilà. En soi, voilà. Ah, on peut escalader les gouttières des maisons. On a encore en plus 25 pour 25%. Honnêtement, là, pour le moment, le sac me convient. Au niveau. Voilà. Bon, on a encore de l'estimation d'objets, ça c'est possible. Purée, et ça me demande 4 points, quoi. Ça veut dire qu'il faut que j'augmente de 4 points. Points. Non mais c'est là faut vraiment grinder le jeu quoi. Résultat, je regrette peut-être d'avoir pris wow, de toute façon c'est nécessaire hein. De toute façon ce que j'ai pris c'est nécessaire hein. Peut-être l'escalade là c'était peut-être ouais c'est pour porter les objets plus rapidement ouais ouais. Mouais. Faut voir. Honnêtement, faut voir. Le sac, en tout cas, les 25% de sac en plus, je les prendrai certainement pas. Ça, pour le moment, ça me sert à rien. Parce que je vole vraiment en annexe des objectifs. Réfléchis, hein, mais bon. En tout cas, on va aller terminer les quelques maisons. Voilà. Ah, il y avait encore un truc à 103. Non? Bah, non. C'est. Ouais, ok, parce que je. Ok. Donc, la 102, en fait, il n'y a plus rien. Ah, il reste un butin. C'est la voiture dans le garage. Bravo! Super les infos. Heureusement qu'elles étaient pas chères. Donc fallait voler la voiture au 101. On va aller faire ça. J'ai coupé la sonnerie de mon téléphone parce que c'est quoi ça? Oh. Oh. Ok, il y a Firefox Monitor qui a décelé une nouvelle fuite de données. Donc, je me souviens même plus que j'avais un compte là-dessus, tiens. Bon, excusez-moi. Non, c'est mine de rien, c'est important. Mais ça doit être un mot de passe à la con que j'avais mis là-dessus. Attendez. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Voilà. Je checkais. Oui, je disais que je coupais ma sonnerie. Parce que. Si mon téléphone veut bien se mettre à répondre maintenant.
Va en enfer. Ok, allez. 101. On va aller voler la voiture qu'il faut. Avant, faut qu'on passe au pawn shop. Welcome back. Ouais, le bracelet en morceaux, ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. Sympa, sympa. Alors, cachette. C'est nouveau ça. Attendez. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça? Oh. Oh. Faire dans l'immobilier, on peut racheter ça, peut-être revendre l'ancienne. Trente mille, hein. Qu'est-ce qui serait le plus avantageux? Ça, je pense pas, hein. En vrai, faut voir. Alors voyons. Donc la 101, on disait. La voiture a volé. En soi, la mienne de caisse, on s'en fout. Donc de toute façon, voilà, c'est la bagnole ou. Ouais, voilà, c'est la. Ouais. Est-ce qu'on y va couillu? En mode j'en ai rien à battre. Je me souviens plus. Elle est devant, hein, c'est pour ça que. Ah oui, c'est vrai, ce système-là ici. Plus si le ouais c'est ça. Ça couvre devant donc de toute façon ça sert à rien. Faut alors je tente comme ça hein, sans quitter la map. Donc c'est 23h, hein, c'est ça? Je vérifie. Hein. Non, c'est bien avant ça, c'est 21h. Dès 21h, je peux frapper. Non. À pied. J'espère juste c'est que voilà le temps que je dorme ils ont pas remis la serrure. C'est sûr que si.
En soi, c'est pas grave. Piéton, il a eu de la chance. Ben voilà. Et ben on va repasser sur un épisode de démontage de caisse. It's time to get our cam. Go fetch it and bring it in. It's just the thing we need to wrap this up. Voilà, c'est juste ça. Mais je propose c'est qu'on fasse d'abord. Voilà. Donc on a voilà, on a la carcasse qui est ici de la première voiture. On pourra vendre si on veut. Ouf. Allez, on va faire ça rapidement. Pourquoi lève contrôle? Ok, alors attendez. Hop. Apparemment, ouais, faut que je démonte ça d'abord. Non. D'abord que je démonte ça, donc ok. Ah, j'ai du mal avec ça, hein. Tout le système de filtre à air. Ok, je peux déjà démonter ça ou... Non, c'est ça, faut que je... Alors, le problème... Voilà. Ok. Alors, attendez, parce que j'ai ça, mais...
Ok, donc ça c'est ça fait partie de l'essieu, enfin ça fait partie de d'en dessous. Donc de toute façon je peux pas l'enlever maintenant, faut que je monte la voiture là-bas. Ah j'ai. Je me suis planté. Et résultat, je suis paumé. Mais bon. Alors, on va déjà retirer ça aussi, l'alternateur. C'est ça, hein, c'est l'alternateur ça. Ouais, c'est ça. Eh, j'ai retenu. Comme quoi je suis pas encore un. Ah, ça fait chier cette interface de. Bon, c'est bon. Ah, il y a la batterie aussi, j'avais pas vu, tiens. Y a un truc là. Oh, c'est tout le système d'huile, ça. Ok, pas de soucis. Le démarreur. Je peux le démonter ici. Bon. De toute façon, voilà, je pense que en soi. Alors l'astuce c'est de se mettre ici. Est-ce que je peux. Ah d'accord. Donc je peux dézoomer avec entre guillemets la molette de souris. Donc tout ça c'est les suspensions, ça se fait en dessous. Donc il faut que j'enlève les roues et puis après il y aura l'alternateur, tout ça. Ok, donc normalement pour le moteur j'ai fini. Tout ce qui est huile, tout ça, apparemment. Pas maintenant quoi. Hop. On monte la voiture et on passe en dessous. On va commencer. Non, on va pas commencer par ça. On va commencer par les roues. Ok, première roue. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ok. Alors, en soi, si je veux. Non, je peux pas. Ah, si, je peux. Donc, je peux déjà démonter cette partie-là.
Attendez, dans ce cas, je vais repasser sur le premier pneu. Parce que si je peux le faire directement maintenant. Voilà. Maintenant, est-ce que les suspensions... Ok, par contre, à l'arrière, les suspensions ne sont pas sélectionnables. Donc, il y a vraiment que les roues sélectionnables quand je suis à l'arrière. Ok, on va commencer par l'arrière. Hein. Et on va remonter comme ça jusqu'au moteur. Un double silencieux sur cette voiture. Waouh. Il y a le silencieux du pot d'échappement et il y a un silencieux intermédiaire. Ok, donc là il y a un système de bras de suspension. D'être bon pour ce côté, on va aller faire l'autre. Ça fait de sacrés boulons quand même. Hein. Des écrous, non, oui, c'est des boulons, c'est ça. Là, je vais mettre à dos tous les bricoleux qui. Non, l'écrou et le boulon, c'est pas pareil, c'est. Le boulon, c'est ce qui rentre dans l'écrou. Ou l'inverse, je sais plus. C'est tout pour l'arrière, là? Bon, on va continuer à remonter. Catalyseur. Aucune idée de ça à quoi ça sert. Le premier qui me dit à catalyser.
Ouf, il y a encore des trucs à retirer ici. Le cylindre bloc, ok. D'accord, c'est le bras de suspension à l'avant, ok. Ok, il y a aussi toute cette partie-là, mais... C'est chaud, quoi. Ils ont... Pensez vraiment qu'ils ont... qui se sont inspirés de vrais systèmes mécaniques qui existent. Si c'est ça, c'est fou, hein. Je regarde, hein, avant de... Ça, je peux pas le retirer, ça? Visiblement, non. Privé de dessert. Bon. Bah, faut que je redescende dès que j'accède au moteur pour retirer le... la... ce qui semble être la boîte de vitesse. Ah, attendez, excusez-moi, ça bouge à côté là. Oui, parce que, excusez-moi, le choc dont je m'occupe, vous savez, je l'ai bougé, je l'ai mis à côté de moi. Mais non, ça dort. Ça se l'échouille, ça dort. Va mieux, elle va mieux. Bon, on reprend. La butée d'embrayage, le plateau de pression d'embrayage. Ah, je pensais qu'on était aux États-Unis. Enfin, si, il y a un système d'embrayage aussi, mais c'est des voitures automatiques, quoi. T'es pas censé avoir une butée d'embrayage. Enfin... ça sert à rien. Parce que aux États-Unis, ils ont énormément de voitures automatiques. Ah si, je peux leur tirer ça. Tremaillère de direction assistée. Ok. Hé B. Ça en fait un sacré de merdier. Bah attendez. Et ça là? Bah oui, c'est bien ce qui me semblait. Remarque, les amortisseurs, c'est normal, hein, ça se... c'est fortement sollicité. Ok. Alors par contre, je peux pas aller sélectionner celui là-bas parce qu'en fait, ok, parce qu'en fait, on y accède par les roues.
Et en fait, je pouvais y accéder tout à l'heure, mais je l'avais pas vu. Partie-là aussi qui me perturbe. Tout ce système-là, là, faut pas le retirer? Si je te dis suspension. Non, tout ça, ça reste sur place? On la redescend encore une fois. Alors, moi j'étais intrigué, c'est par cette partie-là qui ne semble pas accessible en vrai. Ça a l'air d'être le liquide de lave-glace et le liquide de refroidissement, ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on l'a entièrement démonté cette bagnole. On a entièrement démonté cette bagnole en 20 minutes, à peu près. Quand tout ce qui est électronique, la tableau de bord, tout ça. Ah, le volant, il a été retiré aussi. Ah, non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais ouvrir le coffre pour regarder dans le coffre, mais pas grave. D'accord, je peux quand même accéder aux roues même s'il n'est pas monté. Bon, c'est pas grave. Ça, j'ai pas l'air de vraiment avoir besoin de la monter, mais bon. Bon, bah écoutez. Voilà. On va aller voir donc les pièces qui nous sont demandées dans le Black Bay. Ça va nous faire de la thune. Donc c'était tout ce qui était Cougar en fait. Bah c'est cool. Et apparemment, donc on avait tout. On a 21 000. Sachant que j'ai encore une énorme réserve, voilà, de choses. La guitare électrique qui est là, je vais la vendre. Tout ça, c'est du matos. Je pourrais les vendre. La boutique de prêteurs sur gage, j'allais vendre la guitare électrique que j'avais en stock. Ça me sert à rien. Welcome back. Ouais, 200 $, ouais. On est à 22 000. La 206, on retourne chercher la caméra de la 206. Je vous avais dit qu'on irait la récupérer, la caméra. Et j'ai envie d'aller piquer son téléphone. Parce que je... Donc pareil, je sais plus, c'est 23 h, hein, c'est ça? De mémoire, je crois que c'est 23 h.
Oh, l'éolienne, j'avais pas vu. Merde, la caméra est trop proche. Elle détecte pas que la porte est ouverte. Ok. Ça, c'est bon à savoir. Ok. On va faire ça autrement. Ouh, tablette. Attendez, parce que... Ouais, ok, j'ai l'impression qu'il peut pas m'entendre ici où je suis. Ah, ok, d'accord. Si, quand je referme les tiroirs. Mais quand je les ouvre, il m'entend pas. Il y a le violon, là. La bouteille. Hop, le violon. Il y a du pognon. J'ai plus le temps pour son téléphone. Je vais rechecker rapidement ici. Non, Donc non. Non, 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 et non. Son garage, il pue la merde. Bouton du portail. Bouton de la porte de garage. C'est bon. Là, il y a une autre chambre ici. Ben oui, bien sûr. Alors, faut pas que je me charge trop parce qu'il faut que je récupère la caméra. On va d'ailleurs la faire tout de suite. S'il te plaît. On a un tout petit peu de temps. Allez, on va commencer par bas. Son téléphone. C'est ce que je voulais. Une télécommande. Je sais pas pour ce que ça rapporte, hein, mais... On s'en fout.
Percou. Je suis plein. Je me corse. Alors, je me casse, mais je me casse par là. Que je me dis, c'est peut-être le plus simple. Alors, c'est peut-être le plus simple, et en plus. Non, parce que l'autre va rentrer et va voir que je suis. Allez, hop. Ok, hop, de toute façon, voilà, je. Hop, de toute façon, voilà, c'est le jackpot. Hop, maison. On va aller déverrouiller la tablette et le téléphone qu'on a trouvé. Toute façon, voilà, en S, et puis. Voilà quoi, 102 d'XP. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. La micro-caméra. Voilà, je m'en doutais. There's a car on 201, and it's got something inside that belongs to us. Go bring it in. Je peux vendre ces tables. Interesting. Oui, enlever l'alarme d'une voiture, merci. On sait, voilà. D'accord. Ça a l'air d'être un. Une parodie de logo de Mercedes ou un truc comme ça. Bon, bah écoutez, Pawn Shop. La question c'est est-ce que j'achète la Welcome bagnole back. ou est-ce que j'achète la planque? Et j'ai oublié de déverrouiller la tablette et le téléphone. Je vais le faire rapidement avant de tout vendre. Ou alors, hop. C'est pas pour ce que ça. Hop, voilà. Et la console de jeu mis. Maison. Et je rentre à ma maison. 24 000. J'avais un truc à 24. Non, 28 000. C'est l'appareil pour les bagnoles. À mon avis, ça va être le prochain truc qu'on va acheter. Est-ce vraiment utile? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit utile. Est-ce que j'ai 2 points de compétence? Les voitures, ça rapporte. J'ai envie d'utiliser mes 2 points de compétence là, mais si ça se trouve, je vais avoir besoin d'électronique niveau 3 après.
Et donc il faut que j'économise mes points. L'ordinateur portable, il y a combien? Que je me marre. 56 000 imp... Hey, si tu veux, là j'ai un super Bacer là qui est sous Linux, qui peut faire des trucs de ouf avec. bon, et il est pas à 56 000 euros, hein. Je te jure, n'importe quoi. On a dit la 201, hein. C'est une voiture à voler. On va aller regarder ça. Je crois que j'ai encore ma micro-caméra sur moi d'ailleurs. J'ai oublié de craquer les téléphones. C'est pas grave. Bon, la 201 est là, le parking est juste à côté. Non, c'est pas ce que je voulais. Ah! Non, c'est pas ce que je voulais non plus. Hop. Micro-caméra. Ouh, il y a des trucs au sous-sol. Ah non, faut péter les nains de jardin. Ok, la micro-caméra, je l'ai laissée dans la voiture. Mais non, j'ai utilisé ma micro-caméra! Oh l'arnaque! Faut que je rachète une micro-caméra! Bon, c'est pas ce que ça coûte, hein, mais bon. Je crois que ça doit coûter 400 balles, un truc comme ça, je crois. Ah, mais c'est l'arnaque! C'est l'arnaque! Je pensais qu'on m'en fournissait une, moi. Ah non, c'est 700. Ouais, bon. Pas pour ce que ça vaut. On y retourne. Oh! Alors ça c'est bon à savoir, avec C, je peux passer en vue extérieure. Ce qui peut être pratique.